Salut à tous, alors ce matin ça va être petit déj, je vais regarder le catalogue, la redoute, je n'avais pas vu que j'avais reçu. Et ce matin, c'est pas la forme de ouf, hein. Je sens que j'ai comme encore de la fièvre ou de la sinusite dans le cou, j'en sais rien. Bref, je prends mon café, ça va aller mieux. T'as bien lavé tes petits petons, chérie? Maman va aller se laver aussi. Montre-moi ça de plus près. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Tu vas faire ton petit dodo? Me voilà prête. Bon, ça va être un changement de programme. Je vous avais dit hier soir que j'irai faire du shopping, tout ça. Bon, pour deux raisons. Déjà parce que... Comment? Oh non, j'en ai déjà pris deux ce matin, bébé. Mais je vais venir. Mais ça, c'était avant. Il dit avant, on était ensemble. Mais ça, c'était avant. Et qu'on vient de rentrer du boulot pour sa pause de midi. Parce qu'en fait, voilà, donc je vous disais. Vous l'entendez, je suis dégoûtée. Ça fait 8 jours que je suis malade et c'est comme ça. Et là, je sens que la fièvre revient, que comme je vous disais ce matin. Ça m'emmerde, je crois que je vais être obligée de passer à des antibiotiques. On n'a pas les mêmes médecins. Eric a le sien, moi j'en ai un, c'est un homéopathe. Donc... j'ai pas encore pris d'antibio, mais lui, Eric, il a eu la même chose que moi, il a pris d'antibio, et lui, ça va vraiment nettement mieux. Ça m'emmerde, j'ai pas envie de prendre d'antibio, mais je crois que je vais pas avoir le choix, parce que, voilà, ça devient vraiment pénible. Et deuxième chose pour laquelle je vais pas y aller, bah, le temps, je vous montre. J'ouvre la fenêtre. Ça va, Superman? Oui. Ah oui, la mise à petite robe de chambre. Tu reprends à quelle heure? 14h. Ok. Ah, vous allez mieux voir d'ici. Voilà, c'est un ton un peu plus tristoun. C'est fini, je viens de faire ça. C'est vraiment très, 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 très bon. Hein. En goût, évidemment. Et pratique, rapide, efficace. Comme Jack continue à quémander, je lui ai sorti son petit jeu. Pour qu'il puisse attraper les croquettes. Mais t'énerve pas, c'est ça. Là, il a fait de la merde. Je crois qu'Eric va être content quand je vais lui dire que je vais pas aller faire de shopping et que je vais rester là. Et surtout que je vais ranger ma chambre, mon bureau, la maison. Chérie, oui, je vais essayer de manger, de ranger cet après-midi, vu que je vais pas là-bas. Tu essaies de ranger quoi? Bah, la maison. Oui. Ouais. T'es content? C'est la maison est relativement rangée. Oui, mais ma chambre et tout ça. C'est ta chambre surtout. Ben ouais, c'est l'ordre. C'est là-bas, quoi. Ouais. Je suis sûre qu'il y en a qui doivent se dire, mais elle fait pitié celle-là. Parce qu'il faut quand même admettre que certains sont pas tendres hein, sur Internet. Hein, la vidéo d'hier, j'étais obligée d'enlever des commentaires à la vidéo des robes. Parce que dire que ça, certaines choses ne me vont pas et tout, je l'entends et c'est tout à fait normal, mais il y a des façons de le dire. Je vais reprendre mon bureau, comme ça je vais m'avancer en même temps. Il faut que je finalise quand même la miniature. Mais voilà, pour en revenir aux commentaires, franchement, il y a des façons. Mais c'est... Moi, ça ne me touche pas, hein, vraiment. Limite, je trouve ça drôle, quoi, de pas mettre les formes. Enfin, je veux dire, c'est lourdingue. C'est moche, ok, t'en mets un, déjà ça aurait suffi, ou je n'aime pas, je trouve que ça va pas, mais pourquoi être odieux, être méchant, c'est... Oh là 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 là, bref, c'est pas grave. Mais petite parenthèse, j'avoue que la robe, elle me grossit, c'est de ouf. Il faut que je finisse la miniature, mais surtout que je mette les musiques, vous savez à quel point... J'aime bien peaufiner et mettre des musiques vraiment qui soient adaptées avec la scène, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me faire une petite pause gourmande. C'est super bon, vraiment. C'est la laitière qui fait ça. Je m'en sors pas trop mal sur ce coup-là. Donc j'étais en train de nettoyer toute la salle de bain, ranger, trier, jeter. Là, je suis dans la chambre, donc il y a du linge partout, je suis en plein tri.
Eric, je savais très bien, j'ai fait genre, mais il est arrivé du taf, il a fait, oh, c'est beau, bravo, blablabla. Je lui ai dit que bah, j'ai fait aussi plein d'organismes téléphoniques, enfin, truc qui te prend un temps fou. Et je l'entends d'en bas, il me dit, bon, on va pas marcher, c'est ça? Je dis, bah, comme tu veux, mais dis donc, bah, tant pis, on ira demain après-midi. C'est cool. Je suis tout au bout, là, de ma chambre. Voilà, ça s'arrête ici. J'ai tout mis comme ça, j'ai tout posé, à même le sol, ma coiffeuse, j'ai mis tous les produits pour que je fasse le tri. Pour moi, ça va être beaucoup plus simple une fois que c'est vraiment en bordel. Là, c'est tout ce que j'ai mis ici, c'est les couettes et compagnie, j'ai mis ça cet été-là. Les fringues à trier, des choses à jeter, à chaque fois ça s'accumule. Là, les cosmétiques, on n'en parle même pas. Ouf, il y a du taf. Alors, je vais reprendre ma fenêtre parce que bah, il est 7h20, ce qui veut dire qu'il commence à faire nuit tranquillement. J'ai bien avancé. J'ai pas terminé parce que entre temps j'ai quand même eu quelqu'un au téléphone. Enfin, c'était pas administratif, hein, c'était d'ordre privé. Et je continuerai de toute façon demain après-midi. Voilà déjà où j'en suis. Ça, c'est toutes mes tenues de sport qu'il va falloir que je mette d'ailleurs. C'est ça ce que je vous disais, donc il y aura 3 couches. Je mettrai ça quand je fais du sport, plus ça, plus un autre stretch. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Et là, je regroupe tous mes leggings, tous mes trucs sport. Alors, tout ce qui était là, ben, il n'y a plus rien. Là, voilà, il n'y avait déjà plus rien. Et tout ce qui était là également, ça a été trié, il n'y a plus rien. Alors ça, c'est ma petite salle de bain donc, qui se trouve dans ma chambre et il n'y a pas de lumière en fait. Elle a sauté, voilà. Et puis, la douche. Le seul truc maintenant, c'est toute cette partie. Donc, je vous dis, surtout tout ce qui est ma coiffeuse, je vais m'en occuper demain. Et ça, je pensais pas grand-chose à faire. Ce qui est bien quand tu ranges, c'est que tu retrouves des trucs. Et des trucs qui t'étaient utiles et que tu t'étais pris la tête à les retrouver. Donc ça, c'est bien. Et vous avez vu hein, ce que je vous disais. Bon, toujours fenêtre ouverte, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Mes lèvres, le fait que maintenant je sois passée au gloss, je regrette pas du tout. Déjà ça t'hydrate, ça tiraille moins et ça fait, on est d'accord, un effet beaucoup plus frais. Hein. Mais en dessous j'ai quand même un rouge à lèvres rose. Mais il faudrait que j'essaye de le mettre sans rouge à lèvres. Je suis persuadée que ça rendra bien. C'est pas possible, on voit que dalle. Oh là là. Ah bah. Je vais poser mes affaires de sport, je pense que je vais les laisser dans cette salle de bain, ça sera plus pratique. Et bien évidemment, deuxième lessive. Après ma chambre, eh bien, je vais vider la vaisselle pour le remplir. 7h37. Qu'est-ce que je vais faire à manger? C'est vraiment la partie qui m'agace. C'est pas mon truc. Je crois qu'on est beaucoup à pas cuisiner. Faut que j'allume celle-là aussi, tiens. Tout comme je sais qu'il y en a énormément qui cuisinent. Donc, ce que je dis, c'est un peu con-con. Mais il y a quand même cette génération, je trouve, qui cuisine de moins en moins. Je trouve. Et justement, en parlant de bouffe, j'ai eu maman tout à l'heure et je lui ai dit, il y a moyen que je mange chez toi cette semaine. C'est super bon. En gros, je lui ai dit, et la nana qu'il faut pas la pression, mais on voit que dalle, ça m'énerve. Si tu m'aimes, tu sauras quoi me faire à manger. Grosse pression. Je lui ai dit, on va se faire genre l'émission, comment ça s'appelle? Un dîner presque parfait, je regarde pas. Je te note, entrée, plat, dessert, je note l'ambiance et tout. On se met dans les conditions. Donc je sais pas, cette semaine on va se faire ça. Mais on voit que dalle, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, bon allez, j'ai du boulot. Je parle, mais ça va pas se faire tout seul le rangement. Et voilà, comme disent les Américains. Je vais sortir les poubelles et étendre ma deuxième machine de la journée. Ah non. Elle n'est pas finie de tourner. C'est pas grave, je reviens. Il m'a suivi en courant. Qu'est-ce que t'as cru? T'as cru que maman allait se coucher? Elle a pas encore mangé, maman. Ah non, il est même pas 8h. Petit fish and chips. Qu'est-ce que c'est bon ça? Avec un filet de citron. Je vais me faire les frites juste au four qui sont très bonnes. Ah, j'ai pas vu, c'est les steakhouse, donc plus grosses. Et attendez. Ah bah, du coup, vous entendez? Il faut que j'aille étendre le linge. Je vais me faire les petites. Je vais étaler ça sur du papier cuisson et ça va être parfait. Donc,
Je vais clôturer maintenant ce vlog et on va se retrouver demain pour la suite des aventures. J'arrête, ça fait du bruit. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Bah, si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Vous entendez? La machine m'appelle vraiment. Allez, salut!